camion là-bas. Alors, comme vous avez pu voir donc sur la partie précédente, en fait, je suis pas loin de Genève. Mais je suis côté français et donc là il y a des vues avec le lac Léman, tout ça, et à la base je pensais pas qu'on allait venir dans ce coin, mais comme il y a un des potes du groupe qui est en voiture, on s'est dit allez, on va faire un petit tour, on va explorer un petit peu. Et franchement, je veux dire, c'est pas comme la Réunion, mais j'avoue que avec la montagne, tout ça, ça me rappelle trop, et c'est juste énormissime. Et franchement, c'est là qu'on se rend compte que si je pouvais donner un quelconque conseil vis-à-vis de ça, c'est si un jour t'as l'occasion, promène-toi, prends ta voiture, prends un bus, je sais pas, mais explore. Ça fait longtemps que je dois me mettre à faire ce genre de choses, et je pense que les Flixbus, les machins, les trucs comme ça, j'hésiterai pas. Je vous ai mis quelques petites vues au début avec ce qu'on voyait depuis la fenêtre du bus. Et franchement, Flixbus, c'est super confort, donc faut pas hésiter. Mais là j'avoue que, oh punaise, si j'avais le permis, limite je m'installerais dans ce coin quoi, tellement c'est cool. Ah. Bon, je vais y retourner parce qu'on est censé bientôt retourner à l'appart pour aller manger. On va encore se péter le bide aujourd'hui, ça va être formidable. Voilà, donc là on va bientôt y aller. On attend le bus pour aller jusqu'à Genève pour que je puisse reprendre mon Flixbus dans l'autre sens. Mais ce coin est juste trop trop beau. J'en profite pour terminer le vlog. Je suis retournée au boulot, hein, évidemment, région parisienne, mais c'était juste pour refaire un petit point sur ce week-end. Franchement, comme je le disais dans une partie de la vidéo, c'est vraiment un coin magnifique. Vous prenez un Flixbus pour Genève et puis vous avez de quoi vous promener autour. Si vous connaissez des gens côté français, c'est vraiment sympa. Et je ne peux que recommander ce coin. Et j'avoue que j'ai hâte de revenir voir mes amis parce que franchement, c'est génial. Et puis en plus, même côté français, vu que tu es super proche de la Suisse, tu peux choper du chocolat. Donc c'est super cool. Donc sur ce, je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas comment je vais m'arranger pour le rythme des vidéos pour les prochains temps, mais bon, on croise les doigts de pouvoir vous proposer des trucs régulièrement. Donc je vous fais des bises et prenez soin de vous, et la vie est belle, et vive le printemps et tout ce qui va avec. Salut salut !